J'ouvre ce vlog, on est samedi 23. Euh, D'habitude, je, je, je suis pas droite. D'habitude, j'ouvre le vlog à la suite de la fermeture de l'autre, enfin quasiment, puisque je l'ouvre le vendredi après-midi. Mais là, je n'ai pas vu, donc c'est pas grave. Je l'ouvre maintenant, je me suis préparé un petit café. Je n'ai pas énormément de choses à vous dire, je voulais juste revenir avec vous sur les lectures, bah, que je, comment mes avancées depuis hier, donc depuis une semaine pour vous. Je pense que je vais définitivement laisser tomber fruit de basket parce que c'est clairement misogyne et que euh, voilà je comment dire je vais vous montrer, j'ai posé mon café, hop, des espèces de petite tenues comme ça des jeunes filles en fleurs, euh, ça, ça passe pas avec moi. Et, euh, et en fait c'est pire que tout, j'accroche pas au dessin, j'accroche pas à l'histoire, donc vous voyez j'ai même laissé tomber mon marque-page, je prends la décision, je laisse tomber cette lecture. Ça n'a pas fonctionné. Euh, de toute façon, j'avais mis du temps à, y, à aller vers. Ça faisait un moment que j'avais pris à la bibliothèque, pardon. J'ai le nez qui me gratte. Et, euh, et en fait, euh, c'était assez significatif le fait que je j'y aille pas. En... Mais en même temps, j'ai mis du temps aussi à sortir Glouton euh, et Dragon. Je crois que j'ai dit Donjon et Dragon déjà. Glouton mmh. et Dragon. J'ai continué à avancer hier pas mal dans les 7 morts des Art Castle, même si je ne suis pas arrivée exactement où je voulais, parce que je voulais arriver au chapitre 45. Je suis arrivée au chapitre 44, je crois, quelque chose comme ça. Euh, je vais vous dire la même chose que je vous dis depuis <laughs> depuis le début de cette lecture, c'est mais où est-ce qu'on va Où est-ce qu'on va Comment ça va se goupiller euh, Je suis contente de l'avoir étalée sur le mois, parce que clairement, je pense que si je l'avais lu euh, d'une traite, au bout moment, je pense que j'aurais trouvé qu'on tourne en rond. Pourtant, il y a tout le temps des éléments nouveaux. Mais comme en fait... Euh, je ne sais pas, il faudrait que je regarde... Euh, il faudrait que je regarde un petit peu les. Je ne peux pas vous en dire plus, en fait. Parce que on va avoir plusieurs points de vue. Voilà, je vais rester assez vague. On va avoir po plusieurs points de vue de personnages. Et vu qu'on va avoir plusieurs points de vue, on va revenir souvent sur l'événement qui s'est passé, enfin, ce qui s'est passé. Mais avec différents points de vue, ce qui est hyper intéressant. Mais ça peut être aussi un peu lassant. Donc, je continue sur celui-là. J'ai avancé hier très peu, mais j'ai avancé euh, le Jérôme Loubry, là. Oh, C'est hyper bien. C'est vraiment. Euh, je sais pas, alors c'est marrant parce qu'en plus ils me tentent tous... Alors les refuges, j'en ai... ai beaucoup beaucoup entendu parler, mais j'ai peur que les refuges ils me filent vraiment trop les chocottes. Donc euh, du coup, euh, peut-être deux soleils et deux sangs aussi ils me tentaient. J'aime bien la couverture en plus. Là. Je la trouve oppressante. Euh, Celle-là, je la trouve d'ailleurs extrêmement oppressante. Hein. Je pense que c'est la couverture qui me stresse plus qu'autre chose. Donc je vais voir, euh, je vais continuer celui-là. Je ne vais pas pouvoir beaucoup beaucoup aujourd'hui, mais par contre j'arrive. C'est le vlog, le fameux dont je parle depuis deux semaines, celui où je vais pouvoir bouquiner beaucoup plus, même si je vais aussi pouvoir, je vais aussi travailler beaucoup plus. Mais euh, enfin non, je vais pas travailler beaucoup plus, mais je vais travailler, mais euh, je vais euh, pouvoir lire clairement euh, beaucoup plus. Euh, j'ai commencé hier la composition pour des chansons, donc je suis contente parce que le peu que j'ai écrit, ça voilà, ça me je trouvais ça assez. Euh... Enfin, je me suis sentie un peu. Je me suis inspirée. J'ai toujours un peu peur. Ça fait trois ans. Je travaille pour une asso l'été qui organise des séjours de musique et de théâtre. Et en fait, on écrit. Moi, j'écris des chansons. J'en écris, euh, on va dire trois et demi. Ou ouais, voilà. On va dire trois et demi. Et en fait, euh, ça fait. C'est la troisième année que je le fais vraiment. Je l'ai eu fait plus jeune, mais c'était plus moins dense. Mais là vraiment depuis trois ans je le fais et j'ai toujours un petit peu peur à chaque fois du syndrome de la page blanche ou de pas trouver ouais d'être d'être coincé dans l'écriture dans et en fait euh, je m'appuie sur un texte et le texte m'inspire assez rapidement les paroles donc euh, c'est plutôt cool voilà ça marche bien bon je dis ça j'ai commencé j'ai écrit euh, quatre phrases quoi c'est bon il faut qu'elle démarre bien parce que sinon c'est l'enfer. J'ai une mèche qui repique, je ne m'en sors pas. Alors, avez-vous vous aussi des petits cheveux qui poussent comme ceci sur le devant de votre crâne Je ne pense pas. Moi j'ai... Euh, chez moi on appelle ça les cheveux de bébé. J'ai les cheveux qui, qui poussent, qui sont comme ça là, et qui ne sont jamais coiffables. De toute façon, je ne suis, voilà, c'est jamais coiffable. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Pour, non, n'importe quoi, je vais m'arrêter là pour, pour aujourd'hui et je vous reprendrai plus tard. Ça commence bien, je pense que déjà je me mélange un peu les pinceaux, mais bon, c'est pas grave. À plus Je vous prends, on est dimanche, euh, alors je vous prends vite fait parce que euh, j'ai commencé un nouveau livre et que comme je vous disais je vais essayer de, euh, de vous prendre plus de manière plus courte mais surtout de vous prendre plus souvent et tout de suite euh, à chaud quand j'ai commencé quelque chose. Alors euh, pour ne pas trop euh, rester pendant trois plombes, je me suis mise à un endroit où je n'ai pas de trépied et comme ça ça m'obligera à ne pas parler trop longtemps mais c'est juste pas très pratique. Euh, j'ai continué la lecture des Sœurs de mon mort <coughs> de Jérôme Loubry. J'en suis à la page 130 et euh, j'adore. Je suis pas du, on n'est pas du tout dans l'horreur euh, contrairement à ce que je pensais. On est beaucoup plus dans quelque chose de très, cinémato... très cinématographique pardon, très euh... très f... oui très cinématographique et très film. Euh... Je sais pas, je sais pas comment dire. Un peu, on est dans le film d'horreur mais un poil caricaturé mais mais, mais j'aime bien en fait, j'aime bien comment c'est construit, j'aime bien l'écriture et ça me donne très très envie de lire la suite. Mais euh, je devais, enfin je, devais, je voulais commencer aujourd'hui celui-ci que je commence en lecture commune, Alabama 1963. Euh, je viens de le commencer pareil, alors là j'ai lu euh, 10 pages, j'ai tout de suite adoré. Euh, J'adore euh, ce qui traite de cette période euh, euh, des États-Unis. Là on est pendant, le, pendant la ségrégation aux États-Unis et euh, <coughs> la fin de la ségrégation racial et, euh, et c'est terrible en fait parce que c'est quelque chose euh, on n'a pas vécu ça en France heureusement on a vécu d'autres choses mais on n'a pas vécu ça et c'est monstrueux en fait c'est de, de, de voir les droits des droits humains comme ça enfin c'est terrible donc là euh, c'est le genre de livre que j'adore mais euh, je suis déjà en colère euh, j'ai lu 10 pages et je suis pas contente <laughs> mais c'est fait exprès hein enfin bon donc voilà donc je, je voulais vous prendre à chaud je vous reprendrai certainement dans la journée parce que je vais essayer de vous prendre au fur et à mesure de ma lecture. Celui-là, on a prévu de le lire sur trois jours euh, avec la personne à qui je lis en lecture commune. Donc, je vais, je vais essayer de finir, euh, de bien avancer sur mes lectures. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends encore. On est dimanche. Euh, C'est, on est, enfin, je vous reprends. On est encore dimanche. Voilà, je le remets dans l'ordre. Euh, je viens de finir la partie du jour d'Alabama, d'Alabama 1963. Donc, j'ai lu 100 pages. Euh, je que... Ça, alors ça se lit très vite, hein, ça, ça, ça se lit très bien, c'est très, très aéré, ça se lit très vite. Et, euh, et c'est hyper bien. Il y a marqué attention, Nuit Blanche assurée. Oui, c'est vrai que si je m'écoutais, je, je le lirais d'une traite, je pense. Euh, euh, je ne vous, je voulais je vous pas résumer, mais je pense que vous le connaissez, vous avez dû le voir beaucoup tourner. C'est l'histoire d'un d'un jeune, enfin d'un détective euh, et d'une femme noire euh, en 1963 en Alabama. Et en fait, euh, ils vont leurs destins vont, vont être amenés à, se rencontrer. Leurs destins vont être vont se croiser. Bon, bref, j'y arrive plus, c'est dimanche soir. <laughs> ils vont se rencontrer parce qu'en fait, euh, elle travaille, euh, elle Adela, elle est elle est femme de ménage et lui euh, Ro, Rob, je crois, non Bud, rien à voir. Bud, il est euh, détective et en fait, euh, ses anciens collègues de la police vont lui faire une blague parce que son appart est tellement crade qu'ils vont mettre une annonce pour euh, une femme de ménage et qu'elle va y aller. Et euh, elle va travailler pour lui, même si au départ elle voulait pas, tout ça. Et en fait, ça va coïncider avec la disparition d'une fi fillette noire. Et euh, Bud va se retrouver à enquêter sur cette affaire. Et euh, on arrive là, on est au tiers du livre. Adela va, va l'aider dans, euh, dans cette enquête. Et en fait, euh, c'est très très bien écrit. Après, euh, évidemment, tout, euh, leur, euh, tout ce qu'il y a autour d'Adela est extrêmement révoltant puisqu'on est, on est en 1963, donc on est vraiment en plein dans comme je vous disais tout à l'heure dans la ségrégation. Et c'est atroce. C'est je pense qu'on peut pas on peut pas, euh, on peut pas euh, mesurer complètement ce, comment ça pouvait se passer et comment ça peut encore se passer aux États-Unis, puisque euh, dans notre pays, on, on a heureusement pas euh, ce type de, de comportement. Enfin, là, c'est quand même très extrême. C'est assez atroce, quoi. Et même si aucun comportement, quel que soit le degré, est tolérable, mais là, c'est vraiment, on est vraiment sur du, du très, très moche. Et à côté de ça, on tombe pas non plus dans le truc genre, c'est pas, euh, c'est rageant, c'est énervant, mais on ne tombe pas dans l'horreur. Enfin, je dis ça, mais en même temps, il euh, y a des passages un peu... Je sais pas. Bon, enfin, c'est bien dosé, c'est bien écrit. C'est comme, c'est marrant parce que c'est comme les Sœurs de mon mort. C'est très cinématographique. Et là, les auteurs, en fait, ils écrivaient, euh, ils écrivaient pour des séries, je crois que j'ai lu. Donc, ils étaient traducteurs, ils adaptent en français les dialogues de séries et de films. Et en fait, ça se sent, c'est très cinématographique encore un coup. Donc, c'est rigolo que ça vienne en même temps que les Sœurs de mon mort, que je trouve également très cinématographique. Je ne vais pas forcément vous en dire plus, je vous reprendrai plus tard parce que je vais essayer de vous prendre comme ça au fur et à mesure de mes lectures sur les trois, au moins les trois, quatre prochains jours, je pense. Comme ça, c'est vraiment, euh, vous suivez euh, à chaud. Voilà, à plus tard! Coucou, on est mardi, euh, je ne sais pas combien, euh, 24, 5, 25, je crois. Euh, je vous prends rapide au presto parce que je suis en train de continuer la lecture d'Alabama 1963 et que je vous avais dit que j'essaierais de vous prendre euh, sur un, une journée. J'ai gardé mon chapeau pour donner un petit côté estival ce que je suis en train de lire dehors. Euh, J'avais dit que je vous prendrais plusieurs fois euh, sur une même lecture au fil de la journée à chaque fois. J'avais dit je ferai un livre une journée euh, sur les jours là où j'ai un peu plus de temps. Et en fait je pense que le livre Un jour et une journée, c'est celui-ci ou presque, parce qu'hier j'ai lu 100 pages hier soir et euh, là j'en suis à la page 253 et je vais le finir là là, je, je vais retourner dehors et le, le finir il manque 80 pages. Euh, c'est une lecture que j'aime énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées dans ce livre. Même s'il si y a peu de pages, voilà, c'est... Beaucoup de choses sont dites et c'est voilà, ça me touche énormément. J'aime beaucoup les deux personnages euh, principaux, donc euh, Adela et Bud, et euh, vraiment c'est, j'adore. Alors je n'ai pas d'autres livres qui traitent de ce sujet, je pense dans ma palle. mais je vais bien aller vérifier parce que vraiment j'aime vraiment beaucoup beaucoup euh, cette période-là de l'histoire américaine. Euh, de toute façon, ah, si, euh, on est un petit peu dans le même style que euh, beaucoup moins romancé mais que euh, baigné de tomates vertes. Alors, dans de tomates vertes, il y avait une double temporalité, tout ça, ce qu'il n'y a pas du tout là. Et il y a un côté enquête dans celui-là qui n'y avait pas du tout dans Beignets de tomates vertes. Mais voilà, c'est ce, ce côté très euh, Amérique euh, hyper euh, raciste de cette époque qui, euh, qui existe encore, je pense, mais qui était encore pire à cette époque-là, je pense aussi. Donc, euh, je, je ne pense pas que la fin va démentir ce que je vais vous dire. Je pense qu'on est sur un coup de cœur. Et je pense que les 80 dernières pages que je vais lire euh, vont me conforter dans cette dans cette dans ce choix. Euh, je, je pense que je pense que je le relirai et j'adore euh, voilà c'est j'adore le lire mais je me dis oh, il reste rien il reste rien et c'est vraiment trop bien il est vraiment hyper bien bref je retourne le lire et je vous reprendrai une fois que je l'aurai terminé donc très certainement en fin d'après-midi. Re-coucou, j'ai fini à l'instant, quasiment à l'instant, à la bas même 1963. Euh, effectivement, comme je pensais juste il y a trois secondes pour, pour vous, il y a une heure pour moi, euh, c'est un coup de cœur. Euh, j'ai énormément, énormément aimé ce bouquin, j'en perds mes mots. J'ai tout, ai tout aimé, parce que enfin voilà, c'est vraiment un ensemble entre les personnages, l'écriture, l'intrigue. C'est vraiment super bien mené. Je ne lirai pas tout de suite euh, America, le nouveau titre de Ludovic Manchette et Christian Niemek, parce que je, comme, pour les, comme pour les suites, j'ai toujours un petit peu peur d'être déçu, donc je ne les enchaîne pas. Mais vraiment, ça a été une lecture. Alors, ça n'a pas été une lecture un jour, mais euh, moins de... Enfin, si, moins de 24 heures, en fait, puisque je l'ai commencé hier soir, donc c'est moins de 24 heures. Donc, c'était vraiment... C'était très, 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 très chouette. Et j'ai été très touchée par ce duo euh, de Bud et et Adela, Voilà. Donc, je vais continuer du coup mes lectures que j'étais en train de faire avant d'avoir cette petite parenthèse enchantée. Donc, je vais continuer. Hier soir, j'avais continué un petit peu, mais je vais le reprendre. Euh, Les sept morts d'Edwin Hardcastle. Donc là, on commence à rentrer dans le dénouement, je pense. Ça, je pense que ça va être un dénouement assez long parce qu'il reste 150, 170 pages. Oui, c'est assez long comme dénouement. <laughs> je pense que ça va être ça parce qu'on arrive, euh, voilà, un peu plus dans le... On sent que le rythme s'accélère, qu'on arrive plus sur la fin. J'ai pas beaucoup avancé sur les sœurs de mon mort parce que du coup je, je lisais à j'en suis à la page 130, ça c'est pareil, je vais, le, je vais le reprendre là là. Du coup euh, je pense tourner l'update demain et j'aimerais bien avoir une lecture pour l'update, j'ai celui-ci, j'ai entre fauves. Hum, j'aimerais bien peut-être rajouter une lecture, euh, voilà, et de toute façon je présenterai ma pile à lire et je présenterai également le pavé 2022 euh, pour le mois de mars, mai le mois de mai. Et si je ne me trompe pas, ce sera Elantris de Brandon Sanderson, puisque c'est ce que j'avais choisi. Le mois de mai, j'avais choisi celui-ci. Il y a déjà une personne sur la lecture commune, c'est pas le bon livre. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le mettre sous, le, sous ce vlog. Ou à le mettre à, à me contacter directement sur Instagram. Donc ce sera, je le répéterai à la fin de la semaine quand je clôturerai le vlog. D'ailleurs, je clôturerai le vlog. Euh, je, je vais devoir le clôturer plus tôt que prévu. Je vais le clôturer euh, mercredi matin, soir. Je ne sais pas. Il va falloir que je m'organise un petit peu. Non, je peux le clôturer vendredi. Bon, je verrai. Je ne sais pas quand est-ce que je le clôturerai. Non, je le clôturerai comme d'hab en fait. Donc, bref, je vais continuer celui-ci. Je vais continuer celui-là. Là, je vais attaquer un petit peu. Euh, J'ai travaillé ce matin. Je vais attaquer maintenant la partie euh, composition. Et, euh, et je reprendrai la lecture ce soir. Et peut-être que je vais reprendre également le crochet. Euh, Triple L de Mag a aussi lancé un appel au test pour un de ses nouveaux patrons donc j'ai été prise euh, encore une fois c'est trop bien et donc du coup je vais le faire avec une laine euh, que j'avais déjà j'étais partie pour commander mais finalement je vais prendre un tweed que j'avais déjà de chez Fonty euh, que je vous présenterai, je vais le sortir voilà je vais le faire avec celui-ci qui ne ressort absolument pas il est moins foncé que sur la vidéo alors comme mon écran est assez sombre sinon j'ai mal aux yeux je sais pas euh, c'est un, <coughs> un bleu foncé que j'ai depuis des années. Euh, c'est un tweed donc il a plein de petits, euh, de petits speckles. C'est joli comme ça. Donc ce serait une, 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 une leste. Ce serait une veste cosy doudou. Euh, voilà, euh, très, euh, elle va être assez grande, je pense. Euh, et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup des vestes chaudes comme ça. Donc j'ai celle que je porte, je crois que je, je sais pas si je l'avais pas dans une vidéo il n'y a pas longtemps, une mauve. Mais elle a un col qui ne me convient plus, donc voilà, je, je, je suis contente de me refaire une nouvelle veste. Mais ben voilà, je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Euh, je vous reprendrai peut-être ce soir, je ne sais pas, on verra. Je me laisse guider au fil de mes envies. Je vous prends on est mercredi j'allais dire vendredi j'ai jamais le bonjour de la semaine soit j'ai pas le bonjour soit j'ai pas la bonne date là j'ai ni le bonjour ni la bonne date parce que je sais pas je crois qu'on est 23 24 25 26 on est 26 d'ailleurs on n'est pas mercredi on est mardi <laughs> voilà euh, je vous ai fait plein de petits inserts, normalement d'ailleurs je vous ai pas précisé mais là, il y avait un gâteau en début de, en début de vlog c'est pas moi qui l'ai fait c'était une tropézienne mais ça n'était pas moi qui cuisinais. Euh, donc, je vous prends pour faire un point. J'arrête pas de taper dans le micro sur euh, mes avancées. Là, je vous ai montré normalement, j'ai avancé un petit peu. Euh, bah, c'est quand même les, même si je travaillais un peu, c'est quand même un peu les vacances euh, beaucoup même pour moi là. Donc, euh, j'en profite pour faire euh, du puzzle, des trucs. Euh, voilà, que Je ne prends pas forcément le temps de faire d'habitude. Donc, euh, j'ai avancé sur les sept morts d'Evline Hardcastle. J'arrive quasiment à la fin. J'ai lu ce matin les deux chapitres. 51-52 qui devait représenter pas mal de pages parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup avancé par rapport à avant. Ben voilà, j'ai ouais, pas du tout en fait 25, non, 45 pages. Oui, enfin, c'est pas si énorme. Euh, J'arrive vraiment à la fin, fin. Il reste 70 pages. Euh, je m'attendais à plus de retournement de cerveau. Bon, après, euh, sur 70 pages, il y a encore plein de choses qui sont possibles. Bon, après, il reste quand même très intéressant tout ça, mais. J'en parlerai euh, dans l'update. Alors, d'ici là, sera sorti demain pour vous, c'est-à-dire quand vous regarderez cette vidéo, ce sera déjà le cas. Sera, euh, va sortir l'update euh, j'en parle pas, puisque j'en parlerai euh, quand je l'aurai terminé. Par contre, j'ai continué à avancer les sœurs de mon mort. Et ça, euh, c'est terrible. C'est trop bien. Euh, comme je vous ai déjà dit, je pense, on est. Non, j'ai dû le dire dans l'update, je crois. On n'est pas du tout dans l'horreur. Euh, je pensais qu'on serait vraiment. En fait, je m'attendais à une ambiance un peu à la. Euh, comment ça s'appelle Projet Blair Witch, mais pas, en fait. Enfin, dans le projet Blair Witch, en fait, il n'y a rien qui est dit, mais vous voyez, c'est un peu pesante, sorcellerie, tout ça. Bon, après, je ne suis qu'à la page 200, euh, c'est-à-dire j'en suis à la, un peu moins de la moitié du livre, mais voilà, je, je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus sombre, et en fait, euh, on ne tombe pas dans l'horreur, on ne tombe pas dans le bloc, donc c'est très agréable comme lecture. On frissonne, mais bon, pour l'instant, ça va, c'est soft. Euh, je vais continuer celui-là certainement ce soir et, euh, et demain et après j'en je ne sais, je sais pas ce que je vais attaquer je vais voir Dans les inserts, je vous ai montré j'ai pris euh, je voudrais faire du crochet là je voudrais commencer euh, j'ai choisi les laines j'ai pris des petites laines j'avais plein de petites laines plein de petites pelotes pour faire les macarons et pour faire le gros macaron. Bon, de toute façon, j'ai envie de tout faire dans ce magazine. Mais je me suis dit que pour commencer c'était chouette. Après, j'attaquerai très certainement, euh, je sais pas trop, euh, le millefeuille, euh, les sablés. Euh. Alors moi celui qui me... De toute façon, ils font tous rêver. Les pancakes. Euh, j'adore, la tarte au citron là. Et le... Le rainbow cake, mais le rainbow cake, je voudrais le faire en entier parce que j'en ai déjà fait une part, mais là, j'ai enfin, déjà fait une part sur un autre avec l'univers de la lune, mais là, je voudrais le faire en entier. Et les tartes, elles sont juste magnifiques, elles sont magnifiques. Pareil les tartes, les tartelettes comme ça, les tartelettes aux fruits. Bref, j'ai envie de tout faire. Donc, euh, je vais peut-être en attaquer ce soir. Hier, euh, j'ai pas lu parce que j'ai enfin, Hier soir, j'ai tricoté en regardant un film. Donc j'ai bien avancé sur mon dent de lion. Euh, Est-ce que je l'aurai fini d'ici les vacances Je sais pas. Je ne sais pas. Il, je, il me reste pas beaucoup de diminutions et après il me reste encore le, le la boutonnière à faire. Donc là j'en suis là au niveau des diminutions. Donc j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait des bugs au niveau du point, mais j'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup. Enfin j'ai fait des bugs. J'ai fait des bugs dans la façon de répéter le point. Pas dans le point lui-même, mais dans la répétition du motif, je me suis plantée. Des fois, je l'ai fait trop tôt, des fois, je l'ai fait 30 tard. Voilà. Bon, je me suis, me suis plantée. Mais bon, j'ai l'impression que ça ressort pas. On verra, ça se trouve, quand j'aurai fini de la faire, cette veste. C'est pareil, les manches, je n'ai pas du tout fait la longueur qui était censée être euh, faite. Et j'ai fait beaucoup moins de diminutions que prévu. On verra. Mais je pense qu'elle a l'air quand même portable et elle a l'air quand même chouette. Et euh, on verra à la fin ce que ça donnera. Euh, je ne sais plus si j'ai avancé, si j'ai dû avancer mon Avena, mais je ne voulais pas montrer. Là, je ne l'ai pas sorti. Bon, là, évidemment, depuis trois heures il y a deux jours, il y a du soleil, donc j'ai pris quelques couleurs, mais ça ne s'y prête pas à tricoter euh, euh, une laine aussi chaude que celle que j'utilise pour l'Avena. Donc, forcément, il avance moins et forcément, il fait beau. Donc, j'ai envie de faire du crochet. Euh, voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je reprendrai euh, le crochet. Euh, je vous reprendrai plus tard et puis je vais, je vais commencer euh, les macarons au crochet. Coucou, je vous reprends, euh, on est mercredi. Alors je viens faire un point sur les tricots et les lectures. Je pense que ce sera le dernier point de ce vlog parce qu'après je pars demain et euh, je vais pas emmener mes tricots. Et euh, je, fais des, je ferai des points juste sur mes lectures. Euh, j'ai quasiment terminé mon dent de lion, euh, j'ai fini toutes les diminutions. Ça y est euh, donc du coup maintenant je vais attaquer, ce sont des côtes sur le haut et après ils... j'aurai plus qu'à qu fermer donc je suis quasiment à la fin, euh, je ne sais pas du tout si au niveau de la... de la proportion de la taille du corps par rapport aux manches ça suffira, au pire je rallongerai les manches, je couperai, et je... je rajouterai, euh, mais je suis contente parce que je voulais, alors en fait j'ai pas fait de crochet parce que euh, je voulais avancer sur le dent de lion, je voulais le finir pour la fin des vacances. Je l'avais annoncé, enfin voilà, je m'étais fixé cet objectif. Et, euh, et sur ces trois derniers jours, euh, j'en ai profité pour regarder des films euh, le soir, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps. Euh, et j'ai vu des super films, notamment j'ai vu euh, le film euh, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence sur euh, La fin du monde. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, sur Où il y a une comète qui va venir s'écraser sur la planète. Euh, est une magnifique métaphore de la catastrophe climatique, vous n'êtes pas droit comme d'hab du changement climatique. Donc c'était hyper bien. Bon après moi je suis une grande fan de, de Leonardo DiCaprio et de sa filmographie. Euh, j'ai vu aussi... Euh, Qu'est-ce que c'était euh, Hier j'ai vu euh, le film avec le super-héros euh, qui n'est pas James Bond. Bon, c'est pas très grave. Euh, Kingsman. Kingsman 2. C'était vachement bien. Euh, J'ai presque fini mon le, le, la manche de mon apophénia, euh, non de mon avena je vais pas y arriver je dis tout le temps apophénia, il me reste alors moi il faut que il me reste encore ça parce que je voudrais vraiment qu'il tombe bien sur, le, sur les manches alors je vais éviter de me enfin c'est pas que je de me reculer c'est que j'essaye de pas le coller contre moi pour pas qu'il y ait un problème avec le micro comme d'habitude voilà il faudrait que je me trouve un micro euh, à mettre sur euh, le téléphone plutôt qu'un micro euh, cravate mais bon on va pas se plaindre hein. Euh, j'ai également, je voulais vous prendre maintenant parce que ça y est, j'ai terminé les sœurs de mon mort euh, à l'instant, euh, juste avant de vous prendre. Alors, hier, <laughs> dans le vlog, hier, j'ai dit euh, Ouais, non, mais ça fait pas peur, euh, je comprends pas, on n'est pas sur de l'horreur, tout ça. Et puis, euh, je vais me coucher et puis je l'ai continué après, euh, au moins, enfin. Avant de m'endormir, quoi. Et là, j'étais pas très très bien. J'étais pas très sereine. Hein. Il y a eu un moment donné où euh, je voulais lire une cinquantaine de pages. Et puis, au bout de 20, j'ai pris le bouquin, je l'ai posé. Puis, je me suis dit, je le lirai plutôt euh, quand il fera jour, au soleil. <laughs> Parce que je commençais à avoir un peu les chocottes. Il y a des passages qui sont quand même euh, un peu flippants. Donc, euh, ouais. Alors, j'en parlerai plus dans l'update. Mais si vous l'appréhendez, euh, c'est un peu de l'horreur, un peu... Euh, bah, un peu comme dans le projet Blair Witch, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est bien fait, c'est bien distillé, c'est subtil. Enfin bon, voilà, je, je vous le conseille. Même si vous êtes plutôt euh, team euh, chocotte euh, comme moi, bah, voilà, vous pouvez y aller. Euh. En fait, c'est surtout que on n'est pas dans. Enfin, il y a une partie un peu glauque, mais. Enfin, si, mais, mais par exemple, on n'est pas, euh, pas dans le malsain que j'ai pu ressentir dans octobre, par exemple, de Soren Svenstrup ou euh, dans certains livres comme ça, où je suis vraiment pas bien. Où... Là, euh, c'était drôle parce que c'était flippant, justement, c'était bien construit. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Jérôme Loubry, donc je pense que je lirai euh, d'autres livres de cet auteur. Je l'avais pris à la bibli, donc euh, j'en prendrai d'autres à la bibliothèque. Euh, je n'ai pas continué, euh, je suis toujours au même stade de celui-ci. Je pense que c'est celui que je vais terminer aujourd'hui. Et là, comme je vais partir pendant deux jours, euh, je sais pas du tout ce que je vais lire, donc enfin je sais pas à quelle vitesse je vais lire, donc soit j'emmène euh, Mr Brown, soit j'emmène le dernier Liane euh, Moriarty. C'est peut-être celui que je vais parce que j'ai quand même j'ai du train, j'ai pas mal de trains, donc euh, j'ai peur que le Agatha Christie euh, je, ça, suffise, ça ne suffise pas sur les deux jours. Bon, je verrai, mais je pense que je vais emmener celui-là. Il est bien abîmé, mais bon c'est pas grave. Euh, et puis voilà, euh, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, ce, je vais certainement commencer les macarons, mais comme je vous disais, je voulais tellement terminer le dent de lion. Après, je n'aurais pas fini la boutonnière, mais je voulais au moins terminer le col. Après, il me reste 5 rangs, c'est pas grand-chose. Donc, ça va aller assez vite. Donc, je pense que je finirai le dent de lion ce soir et je m'attaquerai un peu de crochet. J'ai fait moins de crochets que je ne pensais parce que, euh, que j'étais sur le dent de lion et parce que j'ai travaillé beaucoup plus que ce que je pensais. J'ai censée travailler un tout petit peu parce que c'était censé être des vacances, mais bon voilà, j'ai travaillé beaucoup plus que prévu. C'est le jeu, c'est comme ça, il fallait que j'anticipe absolument parce que là en mai ça va être... Il va y avoir une semaine très 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 compliquée. Donc euh, euh, il fallait que j'anticipe euh, cette semaine de mai pour ne pas être débordée. Voilà. Bref. Euh, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Je vous prends, on est vendredi. Alors euh, je viens certainement, je pense, clôturer ce vlog, même si je pense que je vais faire des inserts plus tard dans la journée, mais que je les mettrai avant ce passage. Euh, je suis pas chez moi donc du coup c'est pour ça que je vous ai pas pris hier et que vous voyez plein d'inserts. J'ai commencé hier dans le train 7 euh, et match de Liane Moriarty, c'est le dernier de chez Albin Michel. Donc j'ai pas mal avancé parce que j'en suis à la page 144. Et ça se lit hyper facilement. Euh, je pense que les lianes Moriarty, un parent, c'est bien. Et là, en fait, euh, bah, ça marche. C'est hyper intéressant. Bon, peut-être parce que la thématique me parle. Euh, on va suivre euh, quatre frères et sœurs, deux sœurs, deux frères, et euh, leurs parents qui euh, on les suit au moment de la disparition. La mère a disparu. Et en fait, euh, on fait des des, des Bon passé, présent, passé, présent, euh, pour comprendre ce qui s'est passé. Donc il y a aujourd'hui et septembre dernier. Alors je ne sais pas combien il y a de temps qui s'est passé entre aujourd'hui et septembre dernier, mais voilà, on on essaie en, on en apprend un petit peu plus comme ça sur chaque personnage de la fratrie et c'est très très intéressant. Moi je me questionne toujours beaucoup sur euh, la les, les différences de personnalité qu'on peut avoir en fonction de sa place dans la fratrie parce qu'il y a souvent des choses qui se démarquent chez l'aîné, chez le second, chez le troisième. Voilà, C'est une thématique qui me parle énormément et que j'aime beaucoup, beaucoup euh, lire. Enfin, je l'ai très peu lu, mais que j'aime beaucoup euh, euh, étudier, en fait, euh, enfin, étudier entre guillemets, quoi, on va dire, euh, sur laquelle j'aime me questionner. Voilà, et euh, je pense que ce sera donc, enfin, pas, je pense que ce sera le dernier, le dernier livre du vlog, parce que le vlog sortira demain matin, et que du coup, bah, voilà, je ne l'aurai pas terminé d'ici demain. Hein, C'est sûr, je ne vais pas lire euh, 350 pages aujourd'hui. Parce que je suis en famille. Euh, et euh, il me reste 350 pages. Ça. Même si ça se lit très vite, hein, Parce que dans le train hier, euh, j'ai lu 100 pages sans problème. J'aurais pu lire plus, mais voilà, c'était... Bon, c'est pas la question. Et, euh, et voilà. Euh, ce vlog, bah, il aurait... J'ai essayé vraiment durant, cette, durant ce, ce vlog, il faut que j'arrête de dire ce mot. De, de vous prendre vraiment, quand je commençais un livre, quand je le terminais tout de suite. Voilà j'ai pas pu vous prendre dès le début mais je vous prends dans, les, dans le premier quart quoi. Et, euh, et à la donc euh, au milieu et à la fin quand je l'ai terminé. Euh, moi j'aime beaucoup l'écriture de Liane Moriarty. J'ai déjà lu euh, Petit Secret, grand mensonge et euh, Le secret du mari. D'ailleurs c'est le secret du mari qui m'avait fait découvrir cette autrice que j'avais pu découvrir euh, via ma bibliothèque ma médiathécaire. Voilà, donc c'était super intéressant. Euh, je sais pas. Du coup j'aurais pas du tout eu le temps de terminer... Enfin euh, j'aurais pas fait un améguerumi un jour... Un... Ah oui si, je vous ai pas montré mais j'ai commencé un, chou... un macaron en crochet et en fait euh, je suis pas du tout convaincue par la euh, couture, enfin c'est même pas convaincu, je la trouve atroce, donc il faut que je défasse tout. Et euh, je suis pas hyper convaincue par le fil, donc peut-être que je vais repartir sur des fils, euh, je vais peut-être acheter des fils différents. Voilà, de qualité un petit peu au-dessus. Voilà, pour un rendu plus, plus net, plus sympa. Et puis voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je, je, vous remercie, euh, je vous remercie. Il y a du bruit autour de moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous dis évidemment à très vite dans un prochain vlog. Salut